Bonjour les amis, je profite d'une belle journée aujourd'hui pour faire une rapide vidéo au sujet de la prise de son lorsqu'il y a beaucoup de vent. Beaucoup de blogueurs ont eu beaucoup de difficultés dans certaines conditions à enregistrer correctement le son. Et donc cela concerne en particulier les îles Canaries. Et il se trouve qu'il y a 2 mois, je suis parti sur l'île de Fuerteventura, là où le vent souffle tout le temps en permanence. Et donc je me suis rappelé que j'avais acheté il y a un certain temps déjà, une trentaine d'années, j'ai acheté des microphones de reportage qui sont de très haute qualité, des microphones professionnels, et j'ai essayé de les tester à Fuerteventura. Donc j'ai pris un microphone de ce type et j'ai enregistré comme ça, j'ai fait des vidéos, j'ai tourné des vidéos qui ne sont pas encore disponibles, mais peut-être quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà quelques vidéos disponibles sur Fuerteventura. Et donc comment se présente ce microphone? Il s'agit tout simplement d'un microphone Sennheiser, de la marque Sennheiser, un microphone allemand. Et donc c'est le modèle MD21, je vais vous le présenter, voilà. C'est un microphone utilisé quotidiennement dans les reportages télévisés. Donc quand vous voyez souvent des reporters, souvent il y a des stickers de la station de radio ou de télévision collés dessus. Et donc ce microphone sert en fait au reportage. Et quelle est la qualité de ce microphone? C'est qu'il est d'abord insensible au bruit de la main, mais également au vent. Et donc, sachant que je partais quand même sur une île très venteuse, je voulais absolument encore augmenter l'immunité au vent. Et donc, j'ai tout simplement mis une bonnette Ricotte, dont je laisserai d'ailleurs sous la vidéo, je laisserai un lien chez Thomann. Et donc, j'ai associé les deux. Et effectivement, aux surprises, je n'ai jamais eu la perturbation classique que l'on a avec les microphones lorsque le vent souffle dessus. Je vais vous laisser à la fin de cette vidéo quelques exemples non travaillés du tout du son en plein vent. Alors cette vidéo, je l'ai faite pour vous conseiller d'acheter ou de vous procurer ce type de microphone, le MD21 de Sennheiser, qui permet de véritablement d'enregistrer des vidéos en plein vent, sans dénaturer le son. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais montrer et démontrer aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous en dessous, mettez un like évidemment, ça me fera vraiment plaisir. Et regardez maintenant les résultats des vidéos brutes que j'ai tournées sur Fuerteventura dans les îles Canaries. A très bientôt les amis et bonne visualisation. Le vent ici est effectivement considérable. Alors nous sommes sur la plus belle plage de Fuerteventura. Nous sommes arrivés sur le dernier arrêt de cette excursion. Nous nous trouvons tout près du phare. Nous venons de traverser donc toute l'île dans sa largeur, donc ce qui fait environ 5 km, et nous venons d'arriver sur la partie nord du rivage de l'île de Fuerteventura. Autre condition également pour passer ici, c'est qu'il faut passer à marée basse, car dès que la marée est haute, l'eau arrive très haut et là c'est quasiment impraticable. Nous voici sur les célèbres dunes de Corralejo. Ces dunes sont situées au nord de l'île de Fuerteventura et le vent ici est phénoménal. Alors j'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai un micro spécial pour ça, mais comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Voilà, nous sommes arrivés sur la lagune de Sotavento avec sa célèbre plage très large. La lagune en ce moment s'est vidée car c'est la marée basse. Et donc nous nous trouvons au bord de l'eau. On voit les différents kitesurfs qui sont en train de naviguer derrière nous.
c'est le paradis hein, des surfeurs et des kitesurfs ici, car le vent souffle toujours. On est sûr de trouver du vent. Hein, c'est vraiment un très très beau spot pour eux. Nous terminons la journée avec un petit passage sur la plage. Donc on s'est installé pour une heure ou deux, même deux heures, on est sur la plage. J'ai pu me baigner, attention l'eau est en train de nous envahir. Voilà, nous avons été surpris par une vague qui nous a pratiquement submergés, parce que la marée est montante en ce moment.